Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo très importante. Oui, vous ne rêvez pas, il va bien y avoir FIFA Street. Le retour de FIFA Street dans le prochain FIFA, FIFA 20. Ne vous inquiétez pas, je vais répondre à toutes les questions que vous vous posez. Non, je vous arrête tout de suite. Vous n'êtes pas sur une vidéo putaclic, cette info est sûre. Et vous allez voir, je vais la développer. Restez bien puisque je vais tout vous expliquer. Et je vais même vous donner d'autres infos complémentaires. Bon, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner et de liker si ça vous plaît, mais attendez de voir la fin de la vidéo avant de décider. Déjà, FIFA Street, c'est quoi pour les plus jeunes? FIFA Street, c'était donc un jeu de street foot qui se jouait sur petit terrain. Le dernier FIFA Street, c'était le quatrième. Il est sorti en 2012 sur PS3 et Xbox 360. Il n'avait pas vraiment marché aux yeux d'EA. Et du coup, ils avaient tout simplement choisi d'arrêter cette série. Et donc, oui, comme je vous le disais, vous ne rêvez pas, FIFA Street sera un mode du prochain FIFA 20. Je vous vois venir. Vous allez vous dire, si c'est vrai, pourquoi c'est toi qui sors l'information? Déjà, je ne suis pas tout seul à avoir l'information. On est nombreux, je pense, à avoir l'information. Et cette vidéo va sortir en même temps qu'une autre vidéo, en même temps que la vidéo de Sofiane Le Geek, mon ami que vous connaissez, puisque cette information, on l'a eue de source sûre, je vous le répète, il y a quelques temps, quelques semaines à peu près. Sauf qu'on nous avait demandé de ne rien dire. Aujourd'hui, il y a une information qui est sortie d'un Twitter brésilien en donnant du coup l'information. Et là, du coup, avec Sofiane, on a décidé de vous sortir l'info donc aujourd'hui. Et donc, je vous le répète, c'est sûr et certain, FIFA Street va bien être un mode de jeu sur FIFA 20. Il y a par contre des choses que l'on ne sait pas, mais on a quand même entendu des rumeurs. C'est qu'il y aurait un espèce de mode fut autour de FIFA Street, où c'est pareil. Alors, est-ce qu'il sera intégré vraiment à fut, ou est-ce que ce sera encore un mode différent? Ça, je vous avoue qu'on n'a pas l'information. Mais on nous a expliqué quand même qu'il y aurait certainement des transactions pour acheter ces joueurs. Est-ce qu'il y aurait aussi des transactions, des espèces de cartes pour acheter des skills particuliers? Des tenues, forcément. On connaît EA, hein, ils sont très forts pour gagner de l'argent. Donc, à mon avis, on va plutôt tendre là-dessus. Ou alors, peut-être encore un mode fut qui est déjà bien complet, bien étoffé. Vous savez ce que j'en pense. Mode très très bon, hein, ce mode fut. Et du coup, ça rajouterait encore du contenu supplémentaire. C'est pas impossible. Hein. C'est franchement pas impossible. Alors, pourquoi c'est Sofiane et moi qui sortons la vidéo en France en premier? J'ai ma petite idée là-dessus. Il se trouve que nous, avec Sofiane, si vous ne nous connaissez pas, on est plutôt des youtubeurs PES, clairement. On s'entend très bien avec Konami. On a fait des événements avec eux, voilà. Mais ça nous est également arrivé de caster des compétitions FIFA. Mais du coup, nous, on n'a aucun lien avec eSport. J'ai jamais été invité dans les locaux d'eSport. J'ai aucun contact avec eSport. Et donc, je prends aucun risque à dévoiler cette information. Peut-être que d'autres youtubeurs ou d'autres influenceurs ont l'info, et ça, j'en suis sûr et certain. Mais ils attendent le feu vert d'eSport pour lancer l'info. Et ben nous, on a décidé de vous lancer l'info un petit peu en avant-première. Alors, n'hésitez pas à partager cette vidéo et n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et si vous pensez toujours que je mens, ben vous allez attendre le début de l'année prochaine, ou plutôt le début de l'année scolaire prochaine, bien sûr, et l'arrivée de FIFA 20. Mais je pense qu'on va en entendre parler bientôt, du coup. Hein. Et vous allez voir qu'on avait finalement raison et qu'on sera les premiers à avoir sorti cette info. J'ai une autre info qui est sûre à 90%, on va dire. C'est qu'apparemment, ce serait la première année depuis longtemps où dans FIFA, il va y avoir une équipe. Et apparemment, attention, ça je vous le dis, apparemment, ce serait une grosse équipe. Il y aura donc une équipe qui n'aura pas les vrais maillots dans FIFA. Alors là, coup de tonnerre, parce que forcément, en tant que joueur PES, nous, on a l'habitude d'avoir des maillots éclatés. On a l'habitude d'avoir la Juventus avec pas le vrai nom, pas le vrai maillot. On a l'habitude de voir Manchester City pareil, Manchester United pareil. Ce qui fait que dans FIFA 20, vous allez avoir une équipe qui n'aura pas les vrais maillots. Et ça, je trouve que c'est encore très important. Donc, je vous ai donné deux infos là aujourd'hui qui nous donnent quand même un petit peu déjà les contours de ce que va être FIFA 20. Et je pense que, bah, je vais pas vous mentir,
C'est énorme, c'est énorme. Même moi qui suis passé sur PS cette année, l'année prochaine avec un FIFA Street, je vais être obligé d'y jouer aussi. Voilà, je vais jouer bien sûr à PES 20, mais je vais être obligé de jouer aussi à FIFA. Alors dites-moi, vous, à votre avis, connaissant EA, mode fut ou vraiment un mode à part? Dans tous les cas, je suis pratiquement convaincu qu'il y aura des microtransactions. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Maintenant, vous pouvez liker. Maintenant, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et du coup, partagez cette vidéo. Partagez également la vidéo de Sofiane, puisqu'on est les premiers à vous donner cette info officielle, les amis. Allez, je vous laisse. Bonne journée et ciao, c'était Luthor.